Yo les potes, c'est Toto le boss, j'espère que vous allez bien, mon tour là, ça super les gars. Aujourd'hui, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur sur un site. Je voulais vous le montrer en fait, c'est pour créer vos miniatures YouTube. Donc c'est canva.com, vous avez d'aller le voir si vous voulez créer vos miniatures. C'est ce qui me permet de faire mes miniatures à moi perso. Donc bien sûr, vous appuyez sur présentation pour les miniatures. Ensuite, vous pouvez faire des logos, des vidéos, affiches, des CV. Faire plein de choses. Bien sûr, il va falloir se connecter au compte Google. Pour moi, là, c'est l'ancien logo. Quand vous êtes là, vous avez des modèles, des éléments importés, etc. Vous avez tout ça. Moi, j'ai déjà des trucs de mon dossier. Donc, je vais refaire l'affiche que j'ai fait pour les codes de promo de Build & Sale. Ce que j'ai agrandi cette image. Vous allez voir, c'est super bien. Et là, vous pouvez agrandir l'image, mais surtout rentre dans la feuille. Vous pouvez mettre un logo. Voilà, vous pouvez le tourner tout simplement. Mais sûr, si vous y arrivez pas, dites-moi dans les commentaires, je peux vous en faire. Je vous l'enverrai sur Discord ou quelque chose d'autre. Vous pouvez importer un texte, alors un titre ou un sous-titre. Moi, ce que j'avais fait, j'avais écrit Fusion là, c'était un code promo. Et ici, je l'ai mis en plus gros, vous pouvez l'agrandir. Vous pouvez aussi le tourner. On va vous mettre un gros titre. Build and Sale. Le nom du jeu. Et bien sûr, l'emoji, vous pouvez insérer d'autres trucs comme ça. Et bien sûr, il faut les télécharger. Donc, si vous voulez savoir comment les télécharger, tout simplement, vous allez sur Google. Vous prenez flèche hein, rouge. Des fois, vous voyez des flèches rouges, ça donne la pub et tout ça. Voilà, donc, image. Courbé, c'est bien. Ça passe en bas à droite. Prenez la flèche que vous voulez. Voilà celle-là. Faites enregistrer l'image sous. Vous l'enregistrez. Image. Et maintenant, cette image, quand elle sera finie de télécharger, vous pourrez la mettre sur ici. Vous pouvez la mettre tout simplement ici. Donc je vais attendre que ça finisse le téléchargement. Ça met un peu de temps parce que c'est mon antivirus qui scanne. Voilà. Vous la mettez. Voilà. Alors je crois bien sûr qu'on perd un fond aussi. Voilà les gars, comment faire votre propre miniature aussi. Si vous pouvez changer la couleur, vous pouvez mettre noir, bleu, mettre tout ce que vous voulez. La couleur de l'emoji, la couleur de ça. Vraiment, c'est pas grave. Ensuite, vous pouvez rajouter des éléments, des formes, des trucs comme ça, voilà. Vous pouvez mettre des vidéos, des graphismes. Cadre, gris, voilà. Vous faites plus. Vous avez. Tiens, vous voyez là, il y a aussi les emojis. Je me suis chié. Alors ça, j'avais pas vu qu'ils étaient là. C'est une nouveauté en fait. Donc vous n'avez pas besoin de les télécharger. Le nombre d'emojis que j'ai téléchargé. Tu l'as vu ? Oh, stylé en vrai. Oh, ça vaut le coup, les gars. Alors,
ne faites pas comme moi, ne téléchargez pas les modules comme ça. Comme mon flash, vous pouvez. Parce que là, ça va pas le mettre. Voilà, vous avez des emojis. Je découvre avec vous cela. Symbole. Bref, vous avez tout ça, quoi. Et vous pouvez le rechercher. Je sais pas comment il s'appelle, lui. Étonné, voilà. Voilà. Ouais, tu vois, c'est mieux ça, quoi. Hop. C'est celui-là. Dire que c'est celui-là. Hein. Et flèche, je sais pas s'il y en a. Je vais vous montrer. Et flèche. Ouais, vous voyez, il y a que ça, quoi. C'est pas ouf. Peut-être ça, mais. Ouais, ça, voilà. C'est bien aussi. Attends, plus genre je dégage. Aucun respect. Ouais, voilà. Je me corrige tout seul en fait. Donc, voilà les gars, comment faire sa miniature. Vous pouvez rajouter aussi, je regarde. Excel. Un QR code. Délié. Vous pouvez le trouver. Je vais chercher les vidéos YouTube ajouter. Dessin, tu vois, vous voyez, il y a tout ça. Je peux prendre des trucs d'Insta, de Facebook, pas TikTok, Jiffy, ça va être des GIF, je pense. Google Maps, ça va être mieux. Le dossier, les graphismes, arrière-plan. Voilà, stylé en vrai. Je vous laisse découvrir vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification toujours, ça fait super plaisir. On se voit bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tutos. Ciao ciao.